que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Yahweh. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Quand je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme. Mon âme te bénit. Car je sais. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Dans la paix. Car je sais. Mon âme est dans la vie. Mon âme est dans la vie. Mon âme est dans la paix. 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 Car je sais que tu es là. Nous parlons de l'huile fermentée. Talk about the fermented oil. L'huile infecté. Infected oil. Dans le livre d'Ecclésiastes chapitre 10 verset 1. In the book of Ecclesiastes chapter 10 verse 1. La Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 10 verset 1. The Bible says in Ecclesiastes chapter 10 verse 1. Les mouches mortes. Dead flies. Infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Infect and ferment the oil of the perfumer. Les mouches mortes. Dead flies. Pendant que nous parlons de l'huile fermentée, nous parlons du mystère des mouches. Talking about the fermented, or we talk about the mysteries of les flies. Les mouches sataniques. Evil flies. Les mouches mortes. Dead flies. Les mouches diaboliques. Diabolical flies. Les mouches maléfiques. Evil flies. Nous avons dit église. We say church. Lorsque la Bible parle des mouches mortes, when Bible talks about dead flies, ce sont des mouches qui véhiculent la mort. There are flies that vehiculate death. Et lorsque ces mouches when those flies atteignent ta vie, touch your life, touche ta vie, touch your life, elles apportent la mort, they bring death, elles apportent les tribulations, they bring tribulations, elles apportent la limitation, they bring limitation. Hier nous avons parlé de la limitation. Yesterday we talked about limitation. Où Jésus disait, where Jesus was saying, dans Jean 14 verset 12, in John 14 verse 12, ceux qui croient en moi, those who believe in me, feront ce que je fais, will do what I do, et feront plus que moi, and will do greater things. Et nous avons dit que une personne, we said a person, qui ne fait pas plus que son père, doesn't do more than her father, est dans la limitation. Is in limitation. Pas pour se comparer, not to compare, mais parce que c'est une prophétie de Jésus. Is a prophecy of Jesus. Un l'enfant doit faire d'abord comme son père like et ensuite faire plus que son père. And after more than his mais father, il y a plusieurs personnes there are many people qui ont été dans des églises who were in churches, où le pasteur, le prophète a dit where the pastor, the prophet said, publiquement ou en secret publicly or enough, personne ici ne va me dépasser. Nobody here will surpass que me, tu le veuilles ou pas, whether you want it or même not, s'il prie pour toi, even if he prays for il you, relâche une onction dans ta vie, he releases an anointing c'est une in your onction life, fermentée. It is a fermented anointing. Une personne qui prie pour toi qui ne
t'aime pas dépose sur ta vie une onction fermentée. A person disliking you will pray for you drops on your life a fermented anointing. Une personne qui t'acclame le jour de ta nomination, de ton élévation, mais qui dans le cœur ne t'aime pas, son acclamation, sa célébration, ses félicitations viennent d'une onction fermentée. A person who claps for you but in the heart who dislikes you, her acclamation comes from a fermented anointing. Dieu n'était pas bête quand il disait Abraham. God was not stupid when he told Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Blessed will be those who bless you. Je maudirai ceux qui te maudiront. And curse those who will curse you. Parce que ceux que Dieu peut bénir, those God can bless. Ceux qui bénissent et que Dieu bénit en retour, those who bless and God bless in return. C'est ceux qui bénissent avec leur âme et leur bouche. And those who bless with their soul and ils their sont mouth. Trop nombreux qui font des fausses bénédictions. No matter what, release fake blessings. Qui font de fausses déclarations sur vos vies. Release fake declarations on mais your leur life, cœur but your heart ne sont pas avec vous. And not with you. C'est pour ça que chaque fois que tu rencontres une personne, that's why each time you meet somebody, au lieu de regarder juste instead of just looking l'apparence, at appearance, demande à Dieu de te montrer le cœur de la personne. Ask God to show you the heart of that person. Les gens sont méchants. People are wicked. La méchanceté, l'onction ne change pas le cœur des gens. Anointing doesn't change the hearts of people. Une personne méchante qui a l'onction, person who is wicked with anointing, aura la méchanceté onctionnée. We have anointing wickedness. Arrêtez de penser que parce que quelqu'un a l'onction qu'il est devenu normal. Something because somebody has anointing si quelqu'un est méchant, if somebody is wicked, dans l'onction il sera méchant deux fois. In anointing he will be wicked twice. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs méchants. That's why some pastors are wicked. Quand ils t'ont maudit, les veines sortent sur sa tête. When they curse you, they are enraged. Ils sont nombreux qui ont été dans des églises. Number ones were in churches. À la sortie de l'église. Leaving the church. Parce que tu as quitté l'église là. Because you left that church. Le gars t'a maudit. He cursed you. Soit publiquement. Whether publicly. Soit dans le secret. Or in the secret. Que tu le veuilles ou pas. Whether you want it or si not, cette malédiction n'est pas brisée, that curse is not broken, cette malédiction va faire en sorte que toutes les onctions qu'on dépose sur ta vie seront des onctions infectées. It will make that all the anointing that are dropped upon your life be infected. Tu as été dans la maison d'une personne. You were in someone's household. La personne t'a nourri. The person mais fed à la you. Séparation, during separation, la personne a déclaré des paroles malveillantes de malédiction sur ta vie. The person declared evil words over your life. Que tu le veuilles ou pas. Whether you want it or not. Ces paroles-là, those words, vont infecter toutes les onctions qu'on peut déposer sur ta will vie. Infect all kinds of anointing we can drop on your life. Dieu, God, connaît le mystère des mouches sataniques. Knows the mystery of evil flies. Dieu connaît le mystère des mouches mystiques. God knows the mystery of mystic Dieu connaît flies. Le mystère des mouches mortes. He knows the mystery of dead flies. Ne vous amusez pas avec les mouches. Do not play with flies. Dans le règne spirituel, les mouches sont une armée. In the spiritual realm, they are an de enemy destruction. Of destruction. Lorsque Dieu dit à Pharaon de laisser partir son peuple, when God told Pharaoh to let go his people, lorsque Dieu dit à Pharaon de laisser partir son peuple, when God told Pharaoh to let go his people, Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 8, in Exodus chapter 8, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Tell Pharaoh to let go my people. Mais s'il refuse, if he refuses, qu'il sache une chose, let him know one je vais thing. Lui envoyer une première armée. I will send him one army. Les mouches. Flies. J'ai compris quelque chose. I understood something. Si Dieu peut envoyer des mouches aux gens, if God can send flies to people, le diable peut aussi envoyer. The devil also. En sorcellerie, vous avez vu certaines personnes. In which have you saw some people? Tu voles ce qui lui revient. You steal what il va voir un marabout. He sees a witch doctor. Le marabout t'envoie les abeilles. The witch doctor send you bees. On a vu un monsieur qui est décédé à Douala comme ça. We saw a man who died in Douala. Les abeilles sont venues l'envahir. Bees came to invade him. Personne ne pouvait rien faire. Nobody was unable to help il fallait him que les sapeurs-pompiers so the fireworks viennent éteindre les abeilles. Needed bien tuer les abeilles to kill the mais c'était trop tard, il est mort. It was too late, he died. Les abeilles comme les mouches, bees and flies, les sauterelles, locusts, les moustiques sataniques, evil mosquitoes sont des armées are armies de destruction. Of destruction. Nous lisons. Exode chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et prépare présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau et tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Amen. Amen. Dieu dit, God said, j'enverrai premièrement des mouches venimeuses contre toi. I will send first of all swarm of flies pour s'attaquer à toi. To attack you. Dans le monde spirituel. In the spiritual realm. Les esprits. Spirits. Sataniques. Evil spirits. S'attaquent d'abord à toi. Attack first to you. S'attaquent ensuite. And after. À ta maison. Attack your house. Quand on parle de ta maison, we talk about your ce house sont tes enfants. They are your children. Ce sont tes serviteurs. Your servants.
Ce sont tes biens. Your properties. Il dit, j'enverrai des mouches. I will send flies. Contre ton peuple. Against your people. Contre tes maisons. On your houses. Dieu dit qu'il enverra des mouches. God said he will send flies. Il y a plusieurs personnes ici. There are many people here. Les mouches mortes. Dead flies. Les mouches venimeuses. Swarm of les flies. Mouches sataniques. Evil flies. Ont été envoyées contre toi. Were sent against you. Pour venir infecter l'onction. To infect anointing. La grâce. The grace. La puissance. Power. De Dieu dans ta vie. Of God in your life. Tu as la puissance. You have a power. Mais il y a des mouches mortes. But there are dead flies. Qui sont venues infecter. That came to infect. Tu pries pour les gens, pasteur. Pray for people, pastors. Pasteur, tu pries pour les gens. Pastor, you pray for people. C'est comme si tu ne priais pas. It's as if you were not tu praying. Bénis les gens. You bless people. C'est comme si tu les maudissais. It's as if you were cursing. Il y a des parents. There are parents. Elle bénit ses filles. Bless her daughters. Avec le bon cœur. With good hearts. Mais c'est tout ce qu'elle dit. But all what she says qui se retourne. Return always. Donc tout ce qu'elle dit en bien, all what she says c'est le mal goes. Qui arrive. Evil comes. Quand les mouches mortes when that flies ont infecté ta vie, infected your life, tout ce que tu sors de ta bouche all what you release en bien in good, est transformé en mal. Is turned in evil. Il y a des gens qui posent souvent les questions. J'ai même fait qu'aux gens. What have I done to people? Je sors une petite phrase comme ça. I just release a sentence. Les gens grossissent ça people et ça devient un problème d'état. Of a state. Quand les mouches mortes atteignent ta vie, when that flies comes quand your les life, mouches venimeuses atteignent ta vie, when venomous flies comes les your petits life, problèmes que tu fais. Small problems je veux dire les petits dégâts, les petits malentendus, small misunderstanding, les petites fautes small mistakes sont toujours grossies. Are always parfois tu n'as même pas, tu as fait beaucoup de temps, ça fait une faute. At time you spend a lot of time without making les autres ont fait others have made des fautes graves. Serious. On a excusé. Excuse. Mais toi, dès que tu fais une petite faute, at your level, c'est là qu'on arrive sur toi. That's where they rebuke you. C'est là qu'on finit avec toi. That's where they finish with you. Dieu a envoyé les mouches God sent flies contre Pharaon. Against Pharaoh. Le diable aussi peut envoyer des mouches they also can send contre ta vie. Against your life. Si on ne détruit pas ça, if we don't destroy that, c'est compliqué, Église. It's complicated, church. Les mouches flies peuvent arriver dans un endroit précis. Can get in the precise place. Et ces mouches ne te sont pas destinées. Those flies are not destined mais to parce you. Que tu es à cet endroit, because you are in that place, ça t'attaque aussi. It attacks you too. C'est pour ça que dans le règne spirituel, il y a des envoûtements que nous subissons there was spell we are à cause de l'environnement dans lequel nous vivons. Because of the environment in which we are living. Quand Dieu bénit une personne, when God blesses a person, il le sépare toujours. Always separate il change person. Toujours son environnement. Always share the environment. Dieu n'a pas béni Abraham sans faire quitter Abraham de là où il était. God didn't bless Abraham without making him leave for where quand he was. Dieu veut bénir une personne, when God wants to bless somebody, il crée la séparation. He creates separation. Il y a un type d'environnement. There's a kind of environment. Quand Dieu veut te bénir, when God wants to bless il commence par te dire, ne pars plus là-bas. No more go parce there. Que ce sont les environnements dans lesquels les mouches viennent détruire, les mouches viennent infecter, les mouches viennent salir, les mouches viennent contaminer, les mouches viennent anéantir tout ce qui met ses pieds là-bas. Je te pose une question. Est-ce que tu peux aller manger là où il y a la fosse sceptique? Can you go to it where there is a septic tank? Parce que là-bas il y a les mouches. Because there are flies. Il y a des gens ici. There are people here. Vous êtes des étoiles. You are stars. Vous êtes bénis. You are blessed. Vous avez la grâce. You have a grace. Mais vous fréquentez des milieux qui ne vous honorent pas. But you are going to some places that don't honor vous you. Fréquentez des personnes qui ne vous honorent pas. You deal with those who don't honor vous you. Fréquentez des endroits qui n'honorent pas votre Dieu. You are going to some places who don't honor et c'est dans God. Ces endroits in those places, qu'il y a des mouches. There are flies. C'est à vous de réaliser que ce que Dieu a déposé en vous n'est pas favorable, n'est pas compatible avec les gens que vous fréquentez. À quel moment tu peux t'arrêter et tu réalises que cette copine n'est pas ma copine? J'ai toujours dit, Église, il y a des amitiés que vous tissez, ce ne sont pas des amitiés, c'est des poisons que vous ajoutez à vos vies. Hey. Dieu t'a parlé sur certaines personnes, people, mais parce que tu es têtu, Dieu t'a dit c'est pas toi. Dieu t'a dit c'est pas toi. Il est même passé par des gens pour te dire fais attention. Mais ta têtutesse va faire en sorte que parce que cette personne attire des mouches, les mouches qu'elle attire vont te détruire. Dieu ne bénit pas par hasard. God doesn't bless by chance. Dieu n'élève pas par hasard. Doesn't lift up by accident. Parce qu'en fait, Dieu ne se mélange pas. Because God doesn't mix himself. Tu continues à faire des choses dans le mélange. Keep on doing things in mixture. Sache que Dieu va te quitter. Know that God will leave you. Dieu ne mettra pas ses mains dans une affaire où il te parle et tu n'écoutes pas. God will not be involved in a matter where he talks to you. Le peuple de Dieu veut être béni mais ne veut pas grandir. The people of God wants to be blessed but they don't want et to tu grow. Peux vieillir sans grandir. You can grow old without. Il y a des gens qui vieillissent dans l'église. Some people are grow mais ils old, ne grandissent pas dans la parole. But they are not mature in the word.
On reconnaît qu'on est mature, on reconnaît qu'on grandit, qu'on sait prendre des décisions. Recognize we are grew when we know how to take decisions. Et non seulement savoir prendre des décisions, mais assumer ses décisions. Not only to take, but to assume your decisions. C'est là qu'on sait que la maturité est quelque part. That's how we know maturity is somewhere. Assumer veut dire que c'est bon, tu gères. Assuming means good, you c'est manage. Mauvais, tu gères. It's bad, you manage. Assumer ne veut pas dire que c'est seulement, ce sera seulement bon. It doesn't mean always good. Assumer veut dire que quels qu'en soient les résultats, but no matter the results, de tes décisions, of your decisions, parce que tu as pris ta décision. Tu gères. You manage it. Tu es dans une affaire compliquée. In a complicated matter. Dieu t'a parlé que ce monsieur c'est un sataniste. God told you that man is a satanist. Tu connais. You know it. Mais te voilà. But toujours dedans. Always involved. Toujours dedans. Always involved. Tu veux qu'on te parle comment? How do you want us to talk c'est ton to you? Corps. It's your body. Que tu exposes au serpent. That you expose to the snake. C'est pas le corps de quelqu'un. It's not someone's body. Ta vie your life dépasse l'argent qu'il te donne. It's above money gives you. À cause des pratiques qu'il allait faire chez le diable. Because of practices he went to do to the devil. Il attire des mouches. He attracts flies. Et parce que tu dors avec lui. Because you sleep with parce him. Que tu vis avec lui. Because you live with him. Ces mouches those flies vont infecter ta vie. Will infect your life. Les gens avec qui tu marches. People with whom you work. Regarde bien. Look properly. Est-ce que Dieu God t'a donné l'autorisation did God give you authorization de traiter avec ces personnes? To deal with those people. David est un roi. David is anointed king. Mais David, David est rentré en brousse. Went back to the brush. Et plus il était en brousse, the more he was there, rien ne se passait dans sa vie. Nothing was happening in un his jour life. Par erreur, one day by mistake, par coïncidence, by coincidence, le gars se retrouve sur le champ de guerre. He's been in the battlefield. David a dit, je ne rentre plus. David said, we'll no more go back. Il a dit, je combats Goliath. I'll fight the liars. Il pose la question, and he asks a question. Qu'est-ce qu'on donnera what will be given à celui qui gagnera to he that will overcome. Il aura l'argent, there will be money. Il aura l'or, gold, il aura le diamant. Diamond? Rien de tout ça l'intéresse. He was not interested. Ce qui l'intéressait, what interested him? On est d'une partie là. He was set apart. Il va épouser la fille du roi. He will marry the king's le sang de David, après avoir reçu l'huile, after receiving qu'il oil, était peu infecté, that was not infected, était déjà attiré par tout ce qui était roi. Was already attracted fille du roi, son of fils du roi, son of king, maison du roi, king, brutu du roi. Yes. Parce que dans son sang, hey, son sang disait yes. Royauté. Hey. Royauté. Yes. Quand une notion de royauté hey. Qui n'est pas infectée touche ta tête, hey. Ça va toucher ton corps. Yes. Ça va entrer dans ton sang yes. Et ton sang va commencer à chanter say, royauté, royauté, yes. Royauté, yes. Royauté, amen. Royauté, amen. Mais toi on a l'impression qu'il n'y a pas royauté dans ton sang. We feel there's no royalty in your blood. Toujours dans les endroits bizarres, always in bizarre places. Les amitiés bizarres, bizarre friendships. Il faut changer. Change it. Dans la partie où on a dit il va épouser la fille du roi, the king's daughter, le cœur de David a commencé à battre. His heart started beating. David était beau, hein? David lui a dit handsome. Qu'il était très beau. He was very handsome. Donc c'est pas les filles qui manquaient. Daughters were, girls mais en fait, but in real, il y a fille et fille. Dans son sang, in his il n'était pas appelé à épouser une fille. To marry mais il était appelé girl, à épouser une fille de roi. Yes. À épouser une princesse. Princess. Parce que l'huile qu'il avait reçue, received, c'était l'huile de la royauté. Yes. Tu sais quoi? Do you know what? David a affronté Goliath. David faced Goliath. À cause de la phrase qui disait, because of the sentence I was le roi saying, lui donnera sa princesse. The king will give him his princess. Yes. Tu comprends ça? Do you understand that? Tu as vu ça? 1 Samuel chapitre 17, verset 26, il est écrit. Uh-huh. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, yes. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Yes. Qui est donc ce Philistin, c'est ainsi concis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab son aîné, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira le battre avec lui. Saül dit à David,
tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin et s'est ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David a commencé à flatter Saül pour qu'on le laisse combattre parce qu'il veut épouser sa fille. David started flattering Saul for people to allow him to fight because he wanted to marry his daughter. Parce que depuis qu'il avait reçu l'huile de la royauté, because since he received the oil of royalty, son sang démangeait. His blood was itching. Et par erreur, par hasard, par coïncidence, by chance, by coincidence, dans le chapitre qui suit, in the next chapter, David a la capacité d'aller manger une seule fois chez Saül. David has ability to eat once in Saul's household. David sait que s'il sort de là, il ne va plus jamais avoir accès. He knows if he leave, he'll never have access again. David fait alliance, makes covenant avec le prince, with the prince Jonathan. La Bible dit dans 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, que David tissa alliance avec Jonathan. David made a covenant with Jonathan. Depuis ce jour-là, since that day, David est devenu aussi un prince. David became a prince too. Parce que la gloire de Jonathan a été transférée à David. Because the glory of Jonathan was transferred to David. J'ai expliqué à l'église que c'est Jonathan qui devait hériter de la royauté de son père Saül. Jonathan had to inherit the royalty of his father Saul. Mais David, David qui était éveillé, who was awakened, un gars du dehors, un gars qui vivait en brousse, was living the brush, un gars qui faisait des duels avec les lions, he was facing lions, a dit Jonathan, je ne laisse pas partir. So Jonathan will not let it il go. A tissé alliance made a covenant avec David. With David. David a tissé alliance David made covenant avec Jonathan. With Jonathan. Depuis ce jour-là, since that day, David a changé d'environnement. David, yes, changed his environment. Il y a des environnements que vous ne devez plus fréquenter. There are places you must no more go to. C'est pour votre bien. It's for your own good. J'ai expliqué à l'église de Douala, I explained to the church of Douala que quand Dieu crée l'homme, when God makes the man, il le crée après avoir créé l'environnement où l'homme doit être. He makes him after creating the environment in which l'un to des be. Problèmes que plusieurs d'entre nous avons, one of our problems, on prie pour vous à l'église. Where for you in the church. Mais dès que vous sortez de l'église, but once out of vous the church, rentrez dans les environnements où you go back to environment les esprits qu'on a chassés the spirit we chase away reviennent encore. Come back to. Parce que l'environnement dans lequel vous vivez, because the environment in les which gens que living, vous fréquentez, who you are dealing with, favorisent. Entretiennent de tels esprits. Such spirits. Vous n'aimez pas la présence de Dieu. You don't love the presence of vous God. N'écoutez pas les adorations dans vos maisons, don't listen to worship in your houses, dans vos voitures, in your cars, dans vos lieux de service. In your WhatsApp, vous ne réécoutez pas la parole. Don't re-listen to the combien word? Parmi vous réécoutent ces cultes après le culte? How many among you re-listen to the services after ne the sais-tu pas service? Quand un culte passe, when the service ton is over, cerveau oublie 60% de ce que tu as écouté. Your brain forgets 60% what you listen. Avant le prochain culte, before the next service, l'ancien culte, tu l'as écouté au moins 3 fois the ex-listen it pour rafraîchir ta mémoire. Refresh your memory. Même Dieu dit, even God says, réveille ma mémoire. Wake my memory. Parce que Dieu qui ne esprit qui n'oublie pas, God who does not forget, veut nous signifier que wants to say that, nous devons savoir nous rappeler, we must know how to remember, nous rappeler remember de ce qui est passé, what is past, pour que nos âmes et nos esprits our souls and spirits continuent à être édifiés. To be edified. David a reçu l'onction royale, David received royal anointing. Mais il fallait qu'il change l'environnement. He needed to change his environment. Il devait quitter premièrement la brousse, he had to leave first là où il n'était qu'entouré de lions, de chauves-souris, de sauterelles, de serpents. We were surrounded by wild. Deuxièmement, il devait quitter la maison de son père, secondly, his father's là où ses frères aimaient le ridiculiser, where his brother le rabaisser, le chosifier, parce qu'il connaissait son passé. Because he knew his past. Quand Dieu veut te bénir, when God wants to quand bless Dieu veut t'élever, when God wants to lift il y a you des mouches mortes there are dead flies de la maison de ton père que tu dois esquiver. That you must avoid. Cette sœur-là, that sister, ce frère-là, that brother, cette maman-là, that mother, toujours qui est toujours là pour te rappeler always to ton passé, you, your past, ton passé, your past, ça va te détruire. It will destroy you. Il y a des hommes qui préfèrent fuir la maison men prefer to parce qu'ils rentrent à la maison, because when they go back, sa femme lui rappelle les problèmes des années 80. They has to remember the past problems. Tu te rappelles quand tu avais tapé en 90, non? You remember when you tu te rappelles quand ta mère avait fait ça en 92, non? When your mother has done this le 92, gars préfère rester au bar. Prefer remain to the beer il house. Boit, il n'y a plus d'argent pour boire. He drinks, il s'endort là. He falls asleep.
Je suis rentré. Go back home. Tout à l'heure. In a minute. Il sait ce qu'il attend à la maison. He knows what he's expecting. L'environnement là où sa femme est. The environment where his wife is. Il y a les mouches mortes. There are dead flies. Les paroles de sa femme dégagent les mouches mortes. Release flies. Il y a des gens qui sont souvent bien à l'église. Some people are well. Quand ils sont à l'église, church, la tristesse revient. Sadness parce que la maison back. Ils vivent. Because where they live, il y a des mouches mortes. There are dead flies. C'est pour ça que je dois te bénir. That's what I have to bless. Cette you. Année, tu dois construire ta maison. This very year, you build tu dois your être house. Heureux dans ta maison. You have in your tu dois house. Vivre dans ta maison. You live Amen. In your tu house. Dois chanter les louanges du Seigneur dans ta maison. Amen. Tu dois écouter la prédication dans la maison. Amen. Je dis, tu auras ta maison cette année. Ton amen m'énerve. Je dis, tu auras ta maison. Tu auras tes maisons. Amen. Au nom de Jésus. Si tu réalises que c'est quand tu quittes l'église que la paix quitte, if you realize when la you joie leave, quitte, peace is removed, c'est que la maison où tu vis là, it means that the house where ça you ne donne pas. It is not good. Il faut changer. Change it. Il y a des gens qui ont construit leur propre maison, some people build their own house, mais ça ne donne pas encore. It's not yet good. Je dis que I say that tu auras une autre maison cette have année. Amen. Je dis tu auras une autre cette année. Amen. Je dis tu auras une autre cette année. Donne-moi un amen bien. Amen. À Dubaï, Dubaï, le week-end, weekends. Ils ont tous les maisons. L'État construit te donne. The government builds and gives you. Ils ont les héritiers là-bas, ils sont tous propriétaires de maisons. All the heirs are owners of houses. Mais le week-end, chacun quitte sa maison, il va dormir à l'hôtel. But the weekend, each of them leave their house to parce qu'ils ont tellement d'hôtels qu'ils n'ont rien à faire avec l'argent. They have nothing to do with money. Donc ils quittent leur maison pour aller rester à l'hôtel. They leave their house to stay in the hotel. Ils aiment tellement la belle vie que. They love luxury ils savent life. Que le bonheur dépend de l'environnement dans lequel on vit. Happiness depends on environment in which we are living. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, I told you that un enfant de Dieu qui se plaît à adorer Dieu. Sur la terre battue, on the mud, avec des lumières comme les ampoules de l'auberge. C'est un gars possédé. Is possessed. Tu vois un pasteur, il roule en voiture de 80 millions. Say, pastor, drive with the car, mais l'église millions. Où il prêche, but the church where he preaches, c'est la terre battue. Pour quand on fait la délivrance, on met la bâche. So may the deliverance cover the place. Mais sa maison, but his house, c'est un luxe insolent. Mais l'église, but the church. Tu vois un peu la qualité de personne là. Do you see that kind of person? Les mouches arrivent dans ta vie à cause des environnements que tu fréquentes. David t'a dit ce n'est pas possible. David said it is impossible. Si j'ai déjà l'onction royale, je dois me rapprocher de la maison du roi. I must come close to the première house. Chose, first thing, épouser sa fille. Marie si ça ne marche pas, if it doesn't work, être ami de son fils. Yes. Be the friend of his son. Qui sont tes amis? Who are your friends? Va dans ton téléphone. Your c'est un devoir que je te donne. This is a duty. Fais la liste de tes amis. Homework, make the list of tu your vas entendre les scores. Scores. Des gens bizarres. Bizarre people. Des gens bizarres. Bizarre people. Voilà tes gens. There are your people. Des gens qui n'ont pas de sens. People who make no sense. Vous êtes incapable de tenir une conversation pendant 5 minutes. During 5 minutes, où vous parlez des choses cohérentes. We talk about coherent seulement des conversations des congossas. Just gossip. Des hypocrites. Hypocrites. Des jalousies. Of jealousy. Des insultes. Of insults. Des querelles. Quarrels. Il n'y a pas d'amis sérieux no qui peut te pousser à tenir un discours cohérent, soutenu. That can push you to have a great, speech. J'ai eu certains problèmes à une certaine époque I had some problem before, où je rencontrais certaines personnes. I met some people. J'arrivais pas à parler français. I was unable to speak French. Toujours en train de mettre le franc anglais dedans. Always talking in... Il te dit pardon. Je toquais. Pardon. Gamboum, oh, boum, toi aussi. Pardon. Ah, en fait, alors que tu as fréquenté, mais l'environnement dans lequel tu vis, the environment in which you are living, les gars de Colmerson, avec les esprits des dealers, the streets of dealers, les gens de Nkwabang, full of Yomaba. Il y a tous les gens de Nkwabang et l'église ici. Ton environnement détermine tes habitudes. Your environment determines your habits. Ton environnement détermine tes attitudes. Your environment determines your attitudes. David a dit, l'onction qui est sur moi ne me permet plus de marcher avec les animaux. David said, you're not in upon me. Même si mon père se fâche, even if my father mais l'onction que j'ai reçue dépasse ce que mon père a dit. You're not here to surpass what my father je ne dois plus fréquenter un type de personne. I must not deal with some people. Je vous ai dit hier, I told you yesterday, si je marche avec les pauvres, if I were with c'est pour les rendre riches to make them et non pour m'appauvrir. And not to be si je ne peux pas te rendre riche, je ne marche pas avec toi. Soit you. Tu me rends riche, soit you je te rends riche. Rich. Choisissons. Soit je t'aide, soit you. Tu m'aides.
les gens qui sont dans le statu quo, qui veulent me tirer vers le bas, pardon, séparons-nous. Je veux changer d'environnement. Je veux changer de fréquence station. Je veux changer d'amitié. Quand tu viens me voir, parle-moi des projets. Comment on peut investir? Comment on peut voyager? Comment on peut déposer l'argent? Comment on peut gagner l'argent? Ne me parle pas des gens. Ne me fais pas le raconter à des gens. Je m'en fous des gens. La vie des gens ne m'intéresse pas. Parlons de notre vie. Change des amis. Change tes amis. Change tes fréquentations. C'est vous qui êtes à l'église. C'est vous qui priez que Dieu change vos vies. C'est toujours vous qui passez le temps à chercher les vies des gens qui n'ont même pas de sens. Et vous allez attirer leur mouche. Si tu parles de quelqu'un qui a une vie qui est bizarre, sa vie attire les mouches. En parlant de sa vie, tu attires ses mouches. Tu meurs quoi dans les problèmes que tu ne connais pas? Where will you die in the problems that you don't know? Ton téléphone est rempli de Congosa. Your phone is full of gossip. Les photos des gens. Pictures of people. Quelqu'un fait son statut, tu captures. Somebody posts a picture of tu vas te fatiguer un jour. You'll be tired one day. Tu vieillis, hein? You grow older. Tu es à l'affût de tous les statuts des gens. You're after all the pictures tu as of vu ce qu'elle a publié. Tu as vu, elle parlait de quelqu'un. Elle était en train de dire que tu as mangé ce soir. Will you eat tonight? Tu as l'argent pour payer ton huile le mois prochain. How many to pay your body tu penses à ta coiffure qui vieillit là. You think about your hair. Tes cheveux derrière les repoussent. Pense à te changer de coiffure. Ta mèche est déjà vieille. Ta perruque a vieilli. Il faut changer ça. Mais je ne comprends pas comment vous faites. I don't get how you do. On n'a rien à manger. Au lieu de se battre pour gagner, vous vous battez pour perdre. To lose. Mais vous êtes bizarres, les Africains. African, you are bizarre. Moi, je ne suis plus Africain, je suis Siélois. I'm not more African. I am je suis du ciel. Je suis du ciel. Ma nationalité, c'est Siélois. Yes. Je ne suis pas Camerounais, je suis Siélois. Je change l'environnement ce soir. Si tu ne parles pas mon langage, je ne parle plus avec toi. Ne m'écris plus sur WhatsApp. Si tu veux m'écrire, parlons le même langage. Le langage des milliardaires. Oh, le langage des voyageurs. Le langage des entrepreneurs. Le langage des riches. Je prie pour quelqu'un. Tu vas changer d'environnement. Tu vas changer de fréquentation. Tu vas changer d'amitié. Ton amène m'énerve. On a des gens bizarres à l'église. Bizarre people in the church. Je regarde bien, tu finis par ressembler aux gens avec qui tu marches. You finish to look like those with whom you work. Tu étais belle avant. Before you were beautiful. Ta tête est déjà tordue. Your head is already parce que researched. Tu marches avec les gens tordus. Because you're working with research people. Ta bouche est déjà penchée. Your mouth is parce que tu passes ton temps à parler des vies des gens. Because you talk about the life of change people. De fréquentation. Change your acquaintances. Tu vas changer. Will you change? Tu vas changer. Will you change? Tu vas changer. Will you change? Dieu te bénisse. God bless you. Dieu te bénisse. God bless you. Dieu te bénisse. God bless you. Excusez-moi. Excuse je ne suis pas ami avec les pasteurs. I'm not friend with pastors. Moi, je ne suis pas ami avec les pasteurs. Not friend with pastors. Oh, non. No, no, no. Il y a trop de médiocrité au Cameroun. There is so much mediocrity in Cameroon. Les pasteurs aiment la médiocrité. Pastors like mediocrity. Parler des gens. Talking about people. Alors que même ils ne sont rien. Meanwhile, they are nothing. Saboter les gens. Slandering the name of people. Gars, tu sabotes quelqu'un qui te dépasse. You slander the name of somebody tu vas jamais arriver à son niveau. Never you reach his level. Tu me dépasses. You surpass me. Je bénis Dieu pour ta vie. Bless God for your life. Si ça m'énerve trop, if I am so je ne parle pas de ta vie. I don't talk about your life. Si ta gloire m'énerve, if your glory je parle pas. I don't talk about je cherche ma part. I seek my c'est own. Tout. That's all. Si un pasteur, je dis qu'il est mon ami, non. If I say pastor is my friend, faut bien réfléchir. Think well. Un évêque m'a dit, Paul-Zan. A bishop told me, Paul-Zan. Mon apôtre. My apostle. Il y a deux types de personnes avec qui tu dois marcher. There are two kinds of persons with whom you have to work. Les fils. The sons. Les fils. The sons. Et les pères. And the fathers. Les frères là. Brothers. Il y a trop de jalousie dedans. There is so many jealousy. Les frères. Brothers. Les frères de Joseph. Brothers of Joseph. L'ont vendu. Sold him. Les frères de Joseph l'ont vendu. The brothers of Joseph le frère de Abel l'a tué. The brother of Abel killed him. Qui a tué Abel? Who killed Abel? Qui a tué Abel? Who killed Abel? Qui a vendu Joseph? Who sold Joseph? Qui a humilié David? Who humiliated David? Ce ne sont pas les frères.
J'ai dit à l'église à Douala. I said in the church of Douala. Il y a des gens there are people avec qui on doit travailler. With whom you have to work. Il y a des gens there are people avec qui on doit manger. With whom you have to eat. Je travaille I work avec des gens qui pensent comme moi. With people who think like quand me. Je vais gagner l'argent, when I will gain money, je vais appeler mes frères. I will call my brothers. Ils vont manger. Yes. They will eat. Et quand ils mangent là, when they eat, après ils partent. They go after. Il y a des gens qui mangent, ils veulent le vin, ils boivent. Some il va te raconter l'histoire du village. Oh, le grand-père avait laissé la borne telle part. Il y a tel autre terrain que le grand-père avait oublié. C'est le vin qui fait ça. Mm. Parce qu'il a mangé, il a bu. Mais drank. Ça ne t'apporte rien. Mm. Il y a des gens avec qui tu dois parler. Yes. With whom you have vous avez Internet. Have Internet. Est-ce que vous savez que vous devez aller chercher la page de Dangote? You must go on the page of Dangote. Vous allez voir comment il, ce qu'il dit, quels sont ses raisonnements. You see how argues. Le PDG de UBA qui est un Africain nigérien. Il a une fondation. He has a foundation. Il fait des conférences. Même s'il parle en anglais. Even if he speaks in English, tu captes deux mots. Capture two tu words. Connais un peu le pidgin. You know how pidgin is. Ayutoxé. Tu apprends Ayutoxé. You learn tu that. Vas capter les mots là. Capture yes. Those words. Le jeune Mark Zuckerberg, young Mark Zuckerberg qui a créé Facebook. Created Facebook. Il est sur Facebook. He's on Facebook. Mais vous, but you, les pages où vous allez, page where you go, c'est sur les pages des filles où, à qui vous faites la jalousie. On the page of girls vous les insultez, mais vous allez sur leur page. You go on their ça ne vous apporte rien, nothing, mais vous êtes toujours sur ça. Always vous n'allez jamais changer. Never you will change. Toujours pauvre, always poor, misérable, miserable, raté. Loser. Suivez, follow. Suivez, follow. Voilà, c'est ça. Suivez, follow. Les gens qui vont vous apporter une inspiration. People that will bring you inspiration. Si mes prédications ne t'inspirent pas, tu viens faire quoi là? Preaching don't inspire you. What do you do here? Si ma façon de servir Dieu ne t'inspire pas, tu fais quoi là? If my service of God doesn't inspire you, rachetez le temps. Within time. Ne viens pas. Chapelle de la Grâce n'est pas église normale. Chapelle de la Grâce je vous ai déjà un problème. Problem. L'année-ci ne finit pas. This year will not des milliardaires doivent sortir d'ici. Amen. Des milliardaires doivent sortir d'ici. Amen. Des milliardaires doivent sortir d'ici. Oh! Les Esther, Esther, les Esther, yes. Les Daniel, yes. Les Joseph, yes. Vous devez sortir d'ici. Amen. Je prophétise. Yes, le Seigneur va t'élever. Amen. Le Seigneur va t'élever. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Mon ami, my friend, c'est un conseil. It's an advice. Change tes fréquentations. Change your acquaintances. Si tu veux parler avec moi, if you want to talk with rassure-toi me, make sure that que tu ne vas pas me raconter les bêtises. Will not become me blunders. Quand je commence ma journée, when I start my j'ai day, un objectif. I have one objective. Quand je m'arrête le soir, when I stop the evening, si je n'ai pas atteint mon objectif, if I didn't reach my objective, je ne dors pas. I will not sleep. Quand je commence ma semaine, when I start my week, j'ai un objectif. I want one si objective. Je ne l'ai pas atteint, if I did not reach je ne m'arrête pas. I will not stop. Mais toi, quels sont tes objectifs? What are your objectives? C'est juste sérieux. I'm serious. Tu n'as pas d'objectif dans la vie. You have no objective in life. Tu n'as pas d'objectif. You have no objective. Et tu vis comme ça. And you live like that. Tout t'énerve. All vexes tu parles de tout. Talk about tu racontes everything. Tout. You recount everything. Tu ris de tout. You laugh about everything. Même tes rires, économise tes rires. Save your laugh. Économise ta nervosité. Save your nervosity. Économise ta colère. Save your anger. Économise tout ce qui vient de toi. Save all what comes from pour you. Les choses importantes. For important things. Quelqu'un vient te provoquer, tu réponds. Somebody comes to provoke you. Économise reply. Tes réponses. Save your answers. Mais vous perdez le temps. You're wasting time dans des conneries. In blunders. Dieu dit à l'homme pourquoi il a mis dans le jardin. God told the man why he placed him in the garden. Pour qu'il cultive. For him to cultivate. Pour qu'il le garde. For him to guard. Pour qu'il vive bien. For him to have a good Dieu life. N'a pas mis l'homme dans le jardin pour rien. God didn't put him there for l'environnement dans lequel Dieu a mis l'homme. The environment in which he c'était put the pour un objectif. Was for an objective. Quand Dieu veut bénir Abraham, when God wants to bless il dit Abraham, quitte ta famille. Says, leave your family. Abraham, tu aimes ta famille. Abraham, you love your mais family. Quitte. But leave. Et quand Abraham quitte, when Abraham leaves, il quitte avec un membre de sa famille. He leaves one of his family member, Lot. L'autre qui veut dire voile. Et quand il marche avec l'autre n'a pas de problème. L'autre aussi a pris des gens. Lots of people too. C'est les serviteurs de l'autre. The maidservant of qu'est-ce qui crée les problèmes entre Abraham et son neveu? What brings problem between les them? Serviteurs d'Abraham the maidservants of se querellent avec les serviteurs de l'autre. With the maidservants of Lot. Il fallait qu'il y ait séparation. The donc Abraham et l'autre avaient de grandes pensées. Abraham and Lot had great mais thoughts, les serviteurs. But the maidservants. Mm. Parfois, tu peux marcher avec une personne. At times you can work with a person. Mais les gens avec qui la personne la marche. But the person with whom the person c'est pas works, ton style. It's not your kind of person. Tu coupes les ponts. Whether you cut the bridge. La séparation n'est pas la division. Separation is not division. Il y a un type de personne avec qui on ne doit pas marcher. It's a kind of person that have il y a to des gens with. À qui moi j'ai fait du bien. There are people who have que j'ai aidé dans le ministère. I have to in the ministry. Cette année, je ne marche pas avec eux. This year, I don't work with them. Viens me demander, je vais te dire. Come to ask me, I will tell si you je vais t'aider à monter if I want to et tu refuses, and you refuse, reste là-bas. Stay there.
Mais tu me sabotes, c'est ton problème. If you slander my name, that's your problem. Si je veux t'aider à briller, et tu penses que j'exagère, you think I overstate, continue ta route seule. Keep on going. Celui qui voudra venir, he will like will come. Il y a des pasteurs à qui j'ai fait du bien. There's some pastors that I have mais ils ne voulaient pas vraiment aller. So don't want to go. Vous savez, il y a des gens qui sont pauvres. Some people are poor. C'est pas le manque d'argent. It's not because of c'est money. Un esprit. It's a spirit. Yes. La pauvreté est un esprit. Poverty is a spirit. La pauvreté est un état d'esprit. Poverty is a state of mind. Il y a des gens qui se plaisent some people delight dans la misère. In misery. Tu le sors you bring him out de la boue. From the mud. Mais comme il a l'esprit du porc, as has the spirit il of va rentrer dans la saleté. Return to dirtiness. Quand Dieu t'élève, when God lifts faut rester en haut. Amen. Je mets le volume. Do I increase the quand sound? Dieu t'élève, when God lifts il faut rester en haut. Yes. Quand Dieu te fait t'asseoir sur le trône, quitte la chaise en plastique. Quand chair. Tu t'assois sur la chaise rouge, when you sit on the reste red chair. Sur les chaises rouges. On the red chair. Yes. Les gens qui aiment la pauvreté. Some people love je préfère, je préfère. Tu préfères quoi? Why do you prefer? Tu préfères quoi? Why do you prefer? Tu es normal. Are you normal? Dans ton sang, in your blood, s'il y a la royauté, there's royalty. Quitte le plastique. Leave the plastic. Yes. Il faut que tu changes ce soir. You have to change tonight. Il faut que tu changes ce soir. You have to change tonight. Il faut que tu changes ce soir. You have to change tonight. Tu sais, la fille qui s'appelle Ruth. The girl they call Ruth. Elle a eu le malheur de sa vie d'aller épouser un gars bizarre. She got married to a bizarre man. Il y avait un qui s'appelait Maglon. One was called Maglon. Ils avaient des noms d'abord bizarres. They were having bizarre names. C'est-à-dire que Naomi a accouché deux gars et son mari d'abord était bizarre. Her husband was strange. Mais elle a accouché deux fils bizarres. Ruth chapitre 1. Ruth chapter donne-moi 1. Les trois noms. Il y a Abimelech, Elimelech, le père. Maintenant, il y a les deux noms là. C'était des gars bizarres. Et Ruth qui a la grâce. Ruth has grace. Elle est partie tomber dans les mains des gars compliqués. Fall in the hands of complicated les gars avaient men. L'esprit de la famine. Had the spirits of famine. Des esprits bizarres. Bizarre spirits. Donnez-moi les noms. Si ce gars est langue, donnez-moi les noms dans la salle. Hein? Elimelech, Kiljon. Maclon. Ça dit, c'est un Coréen. Un Coréen de Bethléem. Kiljon. Maclon. C'est pas ça. Donne le nom bien. Elimelech. Uh-huh. Maclon. Mm-hmm. Et Kiljon. Amen. Amen. Dieu. God. Les gars quittent Bethléem pour aller chez les Moabites. They leave Bethlehem to go to the Moabites. Parce qu'ils avaient faim. Because they were hungry. Tous sont morts. All of them died. Ruth a compris quelque chose. Ruth understood something. Si elle restait positionnée, if she stayed là où il y avait ces gars, where those ça n'avait pas donné. Elle a changé de position. She changed her position. Elle allait là où Boaz était. She went where Boaz was. Le positionnement. Positionnement. Le positionnement. Positionnement. Va créer le tamponnement. We create encounter. C'est là que je voulais arriver ce soir. Hey. C'est là que je voulais arriver ce soir. Maintenant, je peux commencer à prêcher. Yes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tant que tu as une mauvaise opposition, tu ne vas jamais rencontrer les bonnes personnes. Tant que tu as une mauvais placement, les meilleurs avant-centres, c'est les avant-centres qui savent se placer. Il y avait un gars qu'on appelait Inzaghi. Il ne connaissait pas dribbler, mais il savait se positionner. Je vais dire à une femme ce soir, à partir de cette année, tu vas changer de position. Tu vas changer de position. Je prophétise. Je déclare, ton positionnement va changer. Amen. Tu vas changer de position. Amen. Même ta façon de te filmer, les endroits là où tu te filmes, je prophétise, tu vas changer de position. Amen. Je parle à un homme d'affaires, je parle à une femme d'affaires. Si tu veux réussir, tu dois changer de positionnement. Je déclare, parce que tu as le sang des milliardaires, je t'amène là où tu vas rencontrer les milliardaires. Amen. Parce que tu as le sang des rois. Je t'amène là où tu vas rencontrer les rois. Amen. Je parle à quelqu'un. Je prophétise. Tu vas sortir du sous-quartier. Tu vas fréquenter les grands quartiers. Je parle à quelqu'un. Sur ta page internet, quelqu'un va passer par là. Quelqu'un va passer par là. Quelqu'un va passer par là. Ce sera le début d'une aventure. Une vraie aventure. Une bonne aventure. Je parle à un homme de Dieu. Tu changeras de position. Amen. Tu changeras de position. Amen. Tu changeras de position. Ton amen m'énerve. Amen. Assez-toi. Hey. Église. Church. David.
accompli. Si je reste en brousse, ça ne va pas aller. Si je reste chez Isaïe, mon père, ça ne va pas aller. Jonathan, tu es mon ami. Tu ne veux pas, tu veux, tu es mon ami. David a aimé Jonathan. Bon, Jonathan aussi a aimé David. Ça, c'est le problème de Jonathan. Mais David voulait d'abord l'aimer. Plus David aimait. Écoute, David n'a pas donné ses habits à Jonathan. Mais c'est Jonathan qui a donné ses habits à David. Donc, à ce moment, celui qui devait gagner, c'est celui qui avait changé de position. Jonathan est resté au palais. David a quitté sa maison. Parce que David avait besoin de la position de Jonathan. Quand tu veux que Dieu t'élève, sois humble. Quitte de là où tu es. Quitte de là où tu es. Quitte ta façon de penser. Quitte ta façon de parler. Quitte ta façon de réfléchir. Change de position. Il y a un type de personne, quand ils t'écoutent, on voit une fille pauvre, on voit une fille qui a les petites pensées, on voit une fille qui a les petits raisonnements. Je parlais avec une soeur aujourd'hui, elle me racontait l'histoire de son amie qui a épousé un grand, mais quand elle cause avec le grand, elle est trop pressée. Les grands n'aiment pas les pressés. Les grands aiment les équilibrer. Tu as faim, mais tu fais semblant. Ça va. Tu as fait, mais tu fais semblant. Tu vas changer de position cette année. Amen. Tu fais semblant. Yes. Non, ça va aller. Tu prends quoi? Non, ça va aller. Ça va aller. Un petit truc comme ça. Dis à quelqu'un, ça va aller. Dis que ça va aller. Mais tu as faim. Tu as faim, mais tu dis, ça va aller. En fait, faut danser comme ça à l'église, mais quand tu es dehors, faut te comporter. Yes. Un grand papa épouse une fille qui danse comme ça. Non, on va voyager ensemble. On va voyager ensemble, vous êtes efficace. Regardez vous-même. Une fille qui danse le zengue moto. Ça dit que le gars m'a dit que la fille ici. Je vais te donner un petit secret. Quand tu arrives avec un grand quelque part, je raconte. Ça a le goût. Yes. Vous allez venir nous trouver à Douala. C'est à Douala qu'il y a les vraies histoires. Il n'y a rien ici. Tu vas au bar, au snack, au restaurant avec une fille. Elle commande la Guinness. Et comme le serveur tarde, elle prend la bouteille de son gars. Elle ouvre avec les dents. Mon frère, madame, je te mens pas. Là, tu viens de griller ta carte. Quand tu sors avec un grand que tu vas au premier rendez-vous, tu sais quoi? Je veux l'eau plate. Yes. Alors que tu es une buveuse de bière, tu demandes l'eau plate. Même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu as vu ça à la télé, ou bien tu as entendu le révérend dire, donc prochain rendez-vous, tu demandes de l'eau. J'ai compris dans l'église que beaucoup de personnes perdent des privilèges à cause de la mauvaise éducation. Mais je vais te dire une vérité. Même là où nos parents ne nous ont pas bien éduqués, nous, on peut corriger notre éducation. Yes. Nos parents n'ont pas tout appris. Il y a des choses qu'on a appris à la télé. Il y a des choses qu'on a appris quand on a marché avec les grands. Yes. On a vu comment ils faisaient. Tu vois comment ils font le pas. Toi aussi tu fais. Pas que tu entres Hilton.
Quelle démarche c'est ça? Donne-moi le nom de ta démarche. Attends, attendez, attendez. Ta démarche s'appelle comment? Démarche grenouille, démarche antilope, démarche girafe. Amen. On va tester tout à l'heure. On va voir comment tu marches. J'avais prêché ici un jour. Quand Ruth a changé de position, elle rencontre Boaz. She met Boaz. Elle est domestique. She's servant. Elle est employée. She's employed. Mais elle ne marche pas comme une domestique. But she doesn't work like a servant. Elle ne marche pas comme une employée. She doesn't work like a maid. Tout le monde Everybody. Dans l'entreprise de Boaz In the enterprise avait Boaz pour mission, had the mission de récolter. Of harvest. Ruth a compris. Ruth understood. Si tout le monde récolte, If everybody harvest, moi aussi je récolte. I must harvest. Avec la même démarche, With the same work, il ne va pas me voir. He will not see me. Quand tu as besoin que quelqu'un te voit, When you need that somebody sees fais que la personne te voit. Make that person Celui see. Qui a les oreilles pour entendre, Let he entend ce que l'Esprit dit à l'église. Hey! C'est toi qui veux qu'on te voit, non? You want people to Fais see donc you. Qu'on te voit. On est d'accord? Mm. On est d'accord? Le volume est bon? Mm. Non, moi je suis dans mon coin. Hein. Moi je ne suis pas, je m'embrouille pas. Hein. Moi je suis pas dans les choses là. Hein. Pauvre, tu n'as rien à manger demain, après demain et après demain. Pauvre. Ta position, your position déterminera ta condition. Will determine your condition. Ruth a dit, je ne vais pas moissonner avec eux. Ruth said, I will not harvest with them. Ruth a dit, comme les autres vont moissonner, as others will harvest. Moi je vais glaner. Yes. Moissonner. Harvesting, c'est d'aller déterrer, d'aller couper earth, les épis. Cut, et pendant qu'ils coupent les épis, what they are cutting, il y a ce qui va tomber. Some will fall. Et comme ce n'est pas beaucoup, as it's Ruth not a so créé lot. Son travail à elle. Ruth made her own work. Comme en moissonnant, on est nombreux. By harvesting, we are numerous. On ne va pas me voir. I will not Mieux ceux qui sont nombreux partent d'abord. Better those who are numerous leave first. Fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Donc ils vont d'abord partir. Yes. Ils vont d'abord s'embrouiller. Ils vont d'abord se discuter. Partez d'abord. Hey! Partez d'abord. Yes! C'est là que Ruth a dit, vous avez fini de partir. Vous avez fini de partir. Ruth est donc venue. Yes. Une fille va au champ après s'être parfumée. Mm. On va au champ avec les bottes. On va au champ avec le chapeau large au bord. Mm. On va au champ avec le manteau. Mm. Avec l'écharpe. Avec des trucs bizarres, on est partout. Mais Ruth, elle a porté Mimi. Talon aiguille. Mm. Ruth, pour glaner, pour ramasser le reste des pis, elle a travaillé sa démarche. Amen. Amen. Point de suspension. Yes. Regarde les histoires que vous aimez. Je ne montre pas la démarche de Ruth. Chacun va travailler sa démarche. Exemple suffit. Vous me payez combien? Alléluia. Amen. Église. Church. Il y a des environnements que tu ne dois pas te fréquenter. There are environments where you Ça must va not t'empoisonner. Otherwise you'll be poisoned. Il y a des amis qui t'aiment bien. Your friends will love you. Mais ce n'est pas ton niveau. But they are not at your level. Ouais. Je dis qu'il y a des copines qui t'aiment bien. There are friends who love mais you. Ne t'apportent rien. But they bring you nothing. Quitte là. Leave. Yes. Quitte de là. Leave. Quitte de là. Leave. Quitte de là. Leave. Tu vas dans une église, go to the church, tu iras en enfer. Go to hell. Tu iras en enfer. Go to si tu iras en enfer, go tu iras en enfer. Go le passé est fâché. Tu iras en enfer. Go tu iras en enfer. Go Mon frère, Brother, ma galère déjà c'est l'enfer. My missus already hell. Ma famine là c'est l'enfer. My family is already hell. Ça fait 2 mois, mes enfants n'ont rien pour aller à l'école, c'est l'enfer. J'irai encore dans quel enfer qui dépasse l'enfer. Where will I go that is above this hell? Tu penses que la galère qu'on vit là, ce n'est pas à l'enfer. Tu veux me rappeler que j'irai en enfer? You want to remind me that I will go tu, to hell? Tu penses à l'enfer plus que qui?
Mother, who do you think about her? Et les pasteurs qui veulent se rendre importants en prêchant l'enfer matin, midi, soir. Some pastor want to be important while preaching hell. J'ai besoin d'entendre good news. Yes. To hear good news. Et non enfer. And not hell. J'ai besoin d'entendre good news. Yes. Good news. Parce que tu es ici ce soir. Oh. Je prophétise. Yes. Good news. Good news. Good news. Good news. Good news. Je reçois. Ce mois, je déclare yes. les bonnes nouvelles good dans news. Tes affaires. Les bonnes nouvelles. Dans tes projets. Les bonnes nouvelles. Dans tes relations, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ta vie, au nom de Jésus. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont les problèmes, ils veulent qu'on ajoute encore les problèmes. Je te dis, Madame, Dieu te bénit. Dis-moi Amen. C'est tout. Je suis là pour te donner la bonne nouvelle. I'm here to give you the good si news. Ce que je reçois est mauvais, what I receive que is c'est bad, grave, that is je ne dis pas. I will not say, mais si je dis, c'est say, que la solution est déjà là. A solution is already tu ne viens there. Pas ici come pour qu'on aggrave ta situation. Hey, tu viens ici yes. pour qu'on arrange ta condition. Oh. Oh, ils vont dans les églises, on leur prêche seulement, yeah, on reçoit mariage. Regarde, un célibataire doit recevoir quoi? What must a single receive? Ouais. Je demande, un célibataire doit recevoir quoi? What must a single receive? Reçoit argent. Receive money. Un pauvre doit recevoir quoi? What must a poor receive? Reçoit guérison. Receive healing. Un malade doit recevoir quoi? What must a sick receive? Jésus prend la parole dans Luc chapitre 4. In Luke chapter 4, Jesus says, il prend le livre d'Ésaïe. He takes the book of Isaiah. Il trouve là où il est écrit. He found where it is written. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. The Spirit of the Lord is upon il m'a me. He anointed me. Car il m'a oint. For he anointed pour me. So, annoncer announce good news. 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 Aux pauvres. Poor. Aux pauvres. Poor. Jésus commence par prêcher premièrement aux pauvres. Start preaching first to the poor. Je suis qui pour ne pas parler aux pauvres. Who am I not to talk to the poor? Le premier message de Jésus. The first message of Jesus. Je veux dire, la première population cible du message de Jésus, the first target population of the message of Jesus, c'était les pauvres. The poor. Je suis qui pour ne pas prêcher aux pauvres pour qu'ils deviennent riches? Who am I not to preach to the poor to become rich? Parce que je suis trop saint. Because I'm also si Jésus a prêché aux pauvres, if Jesus preached to the je poor, suis chrétien. I'm Christian. Je ne suis pas Jean-Baptistien. I'm not Jean-Baptist. Jean-Baptistien, eux, ils prêchaient repentance, 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 repentance. Moi j'aime danser. Si ça t'énerve. C'est comme ça que cette année tu vas danser le jour de ton mariage. C'est comme ça que cette année tu vas danser le jour de ton voyage. Je prophétise. Je prophétise. Cette année ne finira pas. Tu vas danser à l'aéroport. Tu vas danser à la mairie. Tu vas danser dans la banque. Tu vas danser à la banque. Je déclare. Ton compte aura l'argent. Ton compte aura l'argent. Tes affaires vont marcher. Tes projets vont décoller. Tes finances seront restaurées. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je déclare. Le mois-ci ne finira pas. Tu recevras des bonnes nouvelles. Tu recevras des bonnes nouvelles. Tu recevras des bonnes nouvelles. Demain, amène bien. Amen. À cette église. Sit down, church. Tu as vu qu'un fonctionnaire sait que l'argent est passé dans le compte. Have you seen what a civil servant knows he received the wage? Il part toucher à la banque. When he goes to the bank. Donne-moi un peu une carte bancaire là. Give me a bank card. Donne-moi une carte bancaire. Je vais mettre l'argent dedans. Voilà quelqu'un qui l'a même plus 5 francs dans sa carte. Elle sort de derrière. Hey! Amen. Voilà donc le fonctionnaire qui va à la banque. The civil servant goes to the bank. Alléluia. Amen. Il voit le distributeur de loin. He sees the cash dispenser from above. Madame. Madam. Monsieur. Sir. Il sait que le salaire est passé. He knows how he received the wage already. Mm.
va aller toucher 200 000. Il est content pour 200 000. Donc avant d'introduire la carte dans le distributeur, il danse d'abord pour 200 000. Cette année, tu vas voir les millions. Amen. Tu vas toucher les millions. Amen. Tu vas recevoir les millions. Amen. Tu vas posséder les millions. Amen. Tu vas obtenir les millions. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Listen. Une soeur à Douala. Douala. Sa belle famille lui a fait trop de mal. Her family Lord did her evil. Elle est venue à l'église. She came to the church. Offrande. Offering. Un sacrifice spécial, 3000. 3000. Elle a fait. She did, made. Elle est partie demander pardon à la belle famille. She went to apologize to the family. Alors qu'on a fait le mal. Mm. Le lendemain, the next day, on a donné 1,5 million. She was given 1.5 million. Il y a une qualité de bénédiction qui viendra dans ta vie. The kind of blessing that will come in your life. Qui va te surprendre. That will surprise qui va te choquer. That will shock you. Tu ne sais pas si tu vas rire ou tu vas pleurer. Don't know if you smile parce que or not. Tu seras dépassé par ce que Dieu est en train de faire. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme. Yes. C'est ce que Dieu fera dans ta vie cette année. Amen. C'est ce que Dieu fera pour toi cette année. Dis, je reçois. C'est tous ceux qui ont les cartes bancaires ici. Amenez-moi ça demain. Parce que le gars qui te parle ici, the guy was talking to you. Depuis que j'ai ouvert mes comptes, since I opened my bank account, j'ai ouvert mes comptes. I opened the bank account. Ça fait une quinzaine d'années. It's about 15 years. Je n'ai jamais manqué d'argent. Never have lacked money. Je n'étais pas pasteur. I was not pastor. Parce que pour vous, c'est les pasteurs qui s'enrichissent parce qu'ils ont les dîmes et les offrandes. Because for you pastors, I enrich themselves because I have tithes and offerings. Je n'ai jamais manqué d'argent. Never have lacked money. C'est une grâce. It's a grace. C'est une onction. It's an anointing. De bénédiction. Of blessing. Et ça se contamine. And it can be transferred. Ça se contamine. It can be transferred. Quand tu discernes en une personne la grâce, when you discern in somebody the grace, viens arracher la grâce. Come to seize that grace. Ne fais pas l'orgueil. Don't be proud. Parce que tu viens t'asseoir là, tu souffres. Because you come to see mais tu joues au grand. But you pretend j'ai to be vu great. Les chrétiens de prophète Shefa Bushiri. I see the members quand of ils prêchent, c'est comme s'ils jouaient. They preach as if they were playing. Les milliardaires sont assis au premier rang. Billionaires sit at the first quand ils viennent la prophétie, when un milliardaire se lève. A billionaire stands. I receive. Je reçois. Un milliardaire. A billionaire. Il ne reçoit pas amen. Doesn't receive il dit I receive. Donc il reçoit avec la main et. Yes. Les milliardaires. Billionaire. Mais les chrétiens de Yaoundé pauvres. The Christians of Yaoundé pauvres. Il a 225 dans son compte bancaire. 225. Quand on demande de dire amen. When we say amen. Il dit amen. Mm. Non, tu penses que je danse là parce que je suis un clown. Je suis dans l'onction. Yes. David a dansé. David danced. L'onction est descendue. Yes. Non, je ne suis pas un blagueur. Oh. Not a joke. Ce que je fais là, what I'm doing. Il y a une onction terrible ici. There is a terrific je ne suis pas en train de m'amuser. I am not playing. Non, non, non. Si tu viens d'arriver ici, if you non, comme tu me vois vous faire rire là, non, ce n'est pas le jeu. Quand on va se lever là, une présence de Dieu va descendre. Amen. Dieu va remplir les personnes de sa grâce. Amen. Dieu va remplir les personnes de sa présence. Amen. Dieu va remplir les personnes de son onction. Amen. Même si la pauvreté t'avait déjà noyé, par la grâce et l'onction de Dieu, yes. Tu vas changer de position. Amen. 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 Même si la galette t'avait déjà rongé, hey. Tu vas changer de position. Amen. Même si le retard t'avait déjà détruit, tu vas changer de position. Même si l'humiliation t'avait déjà attaqué, tu vas changer de position. Même si les maladies t'avaient déjà détruit, tu vas changer de position. Tu vas changer de position. Amen. Tu vas changer de position. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Tu vas te dire la vérité. You want me to tell you the truth? Quand tu as l'argent dans tes comptes, when you have money in your bank account, ceux qui ont l'argent savent ce que je dis. Those who have money know what I'm saying. Parfois pour rien. At times for nothing. Tu vas à la banque, tu regardes. You yes. Go to the bank just to check. Après tu rentres. After you go back. Well, yes. Pour rien. Just for nothing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Après tu pars monter dans ta voiture, tu pars. After you enter your car, you go back. Tu n'as rien à manger. Tu n'as pas mangé depuis le matin. You have not eaten since the mais moment. Tu n'as pas faim. But you yes. Are not hungry. Quand tu as l'argent dans le compte, when you have money in the bank account, il n'y a pas la famine. You are not yes. Hungry. Mais quand tu n'as rien, when you have nothing, à 5h30, hey. go. Hey! Les pauvres ont faim. You are hungry. Tu as jamais remarqué ça?
Have you never noticed ou bien that? Ça n'est jamais arrivé. Or it have never happened to you. Vous devez finir cette année très riche. Amen. J'ai un problème. I have one problem. Le premier jour, je suis arrivé à Dubaï. The first day that I came ça fait to plus Dubai, de 10 ans. 10 years ago, le premier jour, j'ai mis pied à Dubaï. The first I sent my feet there, j'arrive à l'aéroport. Get to the airport. J'ai envie de pisser. I want to urinate. Je vais aux toilettes. I go to the toilet. Je demande c'est quoi ici. I wonder. Les toilettes m'ont fatigué. Beautiful. J'ai compris I understood que il y a that sur la terre on the earth, l'enfer there is hell, dans mon pays. My country. Hey, hey. Je sortais de Colmesin en plus. I was coming from Colmesin. Si tu vis en Colmesin, que Dieu te soutienne. You are living there because le niveau de poussière qu'il y a là-bas, level of c'est exactement ce qu'il y a en enfer. Exactly what is in hell. Non, mais mon ami, my friend, tout chrétien qui n'aime pas la gloire est sorcier. Every Christian who dislikes glory is wizard. Dis à ton voisin, la gloire est bien. La gloire est bien. Dis à quelqu'un, la gloire est bien. Non, cette année, on va se battre. This year we are going to struggle. Je vais prier pour toi. I will pray for you. Tout ce que tu vas entreprendre, all yes, what you will undertake, ça va marcher. Amen. Partout où tu vas mettre tes mains, yes, ça va marcher. Amen. Et je te fais la promesse, yes, tout investissement que tu vas commencer, every investment you will start, je vais ajouter ma part dedans. Amen. Je vais ajouter ma part dedans. Amen. Je prophétise, yes, cette année tu finiras milliardaire. Amen. Cette année tu finiras milliardaire. Amen. Cette année tu finiras milliardaire. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Hey. Je dis que toute personne dans cette église, every person in this tu commences une affaire, if you start a business, je mets l'argent dedans. I add money. Je ne deviens pas partenaire. I don't become partner. Je t'aide. I just help you. Parce que l'argent, il y a des agents gâtés. There are some money that has il y a des agents bénis. Others yes. are blessed. Donc quand je vais mettre mon argent dans ton affaire, when I will add my money in your business, ça va monter, 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 amen, monter, yes, monter, 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 monter. Yes. Lie. Tu vas demander l'aide à un oncle, c'est un sorcier, il te donne son argent, ça gâte ta vie. You ask aid to a wizard uncle, he gives his money, it spoils your life. Cette année-ci là, this very year, il nous faut au moins 12 milliardaires. We need at least 12 billionaires. Tu comprends ça? Do you understand this? Ce n'est pas la prière qui va te rendre milliardaire. Prayer will not make you billionaire. C'est l'œuvre de tes mains. But the work of your hands. Moi, je prie sur tes mains. When I pray on your et tu vas travailler avec tes mains. And you work with your hands. Tu vas faire les marchés avec tes mains. Amen. Tu vas créer l'entreprise avec tes mains. Amen. Et ce que tes mains vont toucher va se multiplier. Your hands will touch, ça va se multiplier. Will increase. Ça va se multiplier. Amen. Dis bonne nouvelle. Good news. Tu auras la multiplication. Amen. Tu vas expérimenter la multiplication. Amen. Tu vas vivre dans la multiplication. Amen. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, on va prier. Stand up, we are going to pray. Je sens l'atmosphère dégagée. Tu vas seulement lever tes mains. Et Dieu me parle de 24 personnes. Quand les 24 personnes seront touchées, je vais arrêter de prier. Je n'ai même pas besoin de prier. Cette atmosphère est favorable. Yes. Cette atmosphère est favorable, yes, pour la bénédiction d'une personne. Yes. Pendant que je lève mes mains vers le ciel, il y a 24 personnes, yes, que le Saint-Esprit est en train de localiser. Yes. Lève juste tes mains. L'onction va te saisir sans que je ne parle. Parce que c'est Dieu qui est en train de parler à ton esprit. Yes. Que ton histoire est en train de changer. Amen. Le changement de position, yes, le changement de condition, hey, puissance de Dieu, yes, puissance de Dieu, yes, puissance de Dieu, hey, dès que je te touche, yes, je confirme, hey, ce que Dieu a déposé dans ta vie. Amen. Prends ça, yes, 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 prends ça, hey, prends. Je déclare, yes, le Dieu de toute grâce, hey, reçois, hey, reçois, amen, reçois, amen, reçois, yes, reçois, yes, reçois. Je parle à quelqu'un, hey, je prie pour quelqu'un. Hey. La vie t'a traumatisé, hey, la vie t'a traumatisé. My God. Mais je déclare, yes, tu vas traumatiser la vie maintenant. Amen. Tu vas traumatiser la vie maintenant. Amen. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Yes. Là-bas derrière. Hey. Je dis que ce mois, yes, tu feras une rencontre miraculeuse. Amen. Tu feras une rencontre particulière. Amen. L'onction là vient jusqu'à toi. Maintenant. Je vois deux personnes. Deux personnes. 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 Rencontre
miraculeuse. My God. Rencontre miraculeuse. Yes. Rencontre miraculeuse. Amen. Rencontre miraculeuse. Amen. Reçois. Reçois, 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 reçois. Lève tes mains là-bas. Lève tes mains. Je déclare. Yes. La souffrance imposée est terminée. 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 Je déclare. Yes. Je prophétise. Yes. Je prie. Yes. Toute personne hey. Attachée hey. Dans la maison familiale My God. Alors que son étoile hey. Brille au Canada hey. Je prophétise yes. Je prophétise yes. Je prophétise yes. Je te libère tu crois. Amenez-le ici yes. Amenez-le ici hey. Amenez-le ici hey. Puissance de Dieu yes. 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 Reçois tu reçois 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 Je prophétise. Yes. Je déclare. Hey. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Cette année. Hey. Toute personne. Hey. Qui a limité ta vie. By God. Je détruis son pouvoir. Amen. Je détruis son autorité. Amen. Je détruis son puissance. Amen. Je te libère. Tu es libéré. Je te libère. Tu es libéré. Je te libère. Tu es libéré. Lève tes mains là-bas Lève derrière. Lève tes mains. Je parle à un agriculteur. Yes. Tu vas faire l'agriculture. Yes. Ça va marcher. Amen. Tu vas lancer l'élevage des poulets. Yes. L'élevage des porcs. Hey. Ça va marcher. Amen. Tout travail que tu vas entreprendre. Ça va marcher. Toute entreprise que tu vas mettre sur pied. Ça va marcher. Toute activité que tu vas faire. Ça va marcher. Lève tes mains. Lève tes mains. Il y a 400 personnes. 400 personnes. Sous le son de ma voix. Yes. Je bénis tes mains. Yes. Lève tes mains. Il y a une onction qui va descendre seulement sur les mains. Yes. Seulement sur les mains. Lève tes mains. Dieu me dit de te dire. Yes. Tout ce que tes mains vont toucher, ça va se multiplier. Amen. Il y a 400 mains. Yes. Il y a 400 mains. 400 mains. Sous le son de ma voix. Yes. L'onction descend. Maintenant. 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 Reçois. Tu reçois. L'argent que ta main n'a jamais touché. Hey. Je vois ça sur tes mains. Yes. Je vois ça sur tes mains. C'est sur tes je mains. Vois ça sur tes mains. C'est sur tes ce mains. Que ton père n'a jamais touché. C'est sur tes mains. Ce que ton père n'a jamais touché. C'est sur tes mains. Ce que ton père n'a jamais touché. C'est sur tes mains. Reçois. Sur tes mains. Je mélange tout l'argent des membres de ta famille. My God. Et je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu sur ma vie. Yes. Tu vas dépasser ça. Amen. 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 Touch me one more time. Lève tes mains. Touch me one more time. Lève tes mains bien, lève tes mains bien. Touch me one more time. Oh Lord. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Touch me one more time. Oh Lord. Touch me, hey. Lift your hand, lift your hand. Oh, I need a touch of the master. Need a touch of the master. Lift your hand, lift your hand, lift your hand. Da 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 da
Je sens l'onction, je sens l'onction. Je sens l'onction, je sens l'onction. Yes, 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 yes. 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 Prends, 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 prends. Prends ça, prends ça. Reçois, 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 reçois. Lève tes mains, lève tes mains. Oh. Jesus, 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 Jesus. Oh. Yes, 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 yes. Lève tes mains. C'est tes mains là que Dieu bénit ce soir. Yes. Dieu ne te bénira pas par hasard. Dieu doit bénir tes mains. Amen. Dieu doit bénir tes mains. Amen. Dieu doit bénir tes mains. Amen. Et il bénit tes pieds. Yes. Pour changer de position, je m'aime à partir de maintenant. Yes. Il y a des gens ici. Hey. Il y a des gens ici. Yes. Je te fais partie de ce pays. Tu pars. Je mets le feu sur tes pieds. Yes. Tu pars. 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 C'est un décret. Hey. Avant la fin de cette année, yes. Je prophétise. Yes. Tu pars retrouver hey. Ton étoile. Yes. Ton étoile. Yes. Au Canada. Hey. Aux États-Unis. Tu pars. En Europe. Tu pars. Reçois. Tu reçois. 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 Tu as fait le passeport. Mais tu n'as jamais eu de visa. By God. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Reçois. Tu reçois. Reçois. Tu reçois. Reçois. Tu reçois. Reçois. Tu reçois. Il y a une personne sous le son de ma voix. Yes. Tu n'avais même pas. Tu ne sais pas par où ça va arriver. By God. Tu n'as même pas de passeport. Hey. Il n'y a personne pour t'aider. Hey. Il n'y a personne pour te soutenir. By God. Mais là. Je déclare. Yes. Voici le signe hey. Que Dieu va te faire du bien. Yes. Il y a une onction hey. Qui va te toucher maintenant. Yes. Tu n'as pas de passeport. Hey. Mais Dieu. Yes. 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 Prends ça. Hey. Prends ça. Prends. Prends. Yes. Est-ce que l'église peut lever sa main? Je sens l'atmosphère chargée. Je mets maintenant le feu sur tes pieds. Yes. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Yes. Il me fait marcher. Sur des lieux élevés. Yes. Je vois 48 personnes. 48 personnes. Tu changes de fréquentation. Tu changes. Tu changes de milieu. Tu changes. Tu changes d'habitation. Tu changes. Tu changes de fréquentation. Tu changes. Reçois. Reçois. Par la puissance et la grâce de Dieu. Yes. Par l'autorité du Saint-Esprit. Yes. Le Seigneur change ton histoire. Amen. Le Seigneur change ton histoire. Amen. Le Seigneur change ton histoire. Amen. Disons merci à Dieu ce soir. Yes.
Yeshua de l'eau. Moussa. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Yeshua de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant? Moussa. Yeshua. Chanter. De joie, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer l'agneau?